Bien, salut à tous les amis, c'est Skidox. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aventure Minecraft. Ça fait très longtemps que je n'ai plus joué à Minecraft, donc on se retrouve pour pour une nouvelle aventure. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour Village Escape. Donc je vais un petit peu vous dire ce qu'il y a écrit sur le site. Village Escape est une map aventure française pour Minecraft 1.8 réalisée par Jobouille. Sur cette map, vous pouvez vous retrouverez dans un village sans aucun souvenir. Votre seule envie est de partir d'ici. Pour y arriver, vous allez devoir éviter les pièges qui se dressent sur vos chemins, parler avec les villageois et réaliser plusieurs quêtes. Il y a aussi des passages secrets à découvrir. Les trouverez-vous. Vous pouvez jouer cette map aventure seul ou à plusieurs et prévoyez entre 1 à 2 heures de jeu. Merde. Donc voilà, là il y a des photos, etc. Donc là, oui. D'accord. Il n'y a pas de consigne, donc voilà, donc on va se faire plaisir. Normalement, je suis dans Win. Donc c'est parti, les amis, on va un petit peu voir ce qu'il y a. Donc j'ai mis un petit shader sur calme. Donc créateur de la map, map prépare par Jubouille. Voilà, voici son YouTube. Ok, donc pardon, je viens de manger, donc vous voilà dans un étrange village. Vous ne savez pas comment vous y êtes retrouvé, mais votre petit premier de partir de ce village. Vous devrez aider les villageois afin de trouver l'unique sortie de ce village. Bonne chance. Hey, vous êtes un Gamebot 2. Vous ne pouvez pas poser casser de bloc sauf si demandé. Pas de peaceful, choisissez la difficulté à droite. Lorsque vous mourrez, votre inventaire est conservé, pas d'inquiétude. Vous devez faire les quêtes, cependant, c'est une map libre, vous pouvez aller n'importe où, quand vous voulez, tout est prévu. Bonne chance. Donc, changer la difficulté, donc je vais mettre en normal. Voilà. Donc ça, c'est les serveurs propriety. Donc c'est parti, commencer l'aventure. Allez plutôt par là, je pense que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Voilà, vous mettez. Allez voir le chef du village pour commencer. Il y a peut-être quelque chose à vous dire. D'accord. Okay. Cette maison est la vôtre. Vous pouvez poser vos objets dans les coffres en haut. Où sont les coffres? C'est cool. D'accord. Et là, on a quoi? Ah, ok. Ce qu'il y a en haut. Cool. Ok. Bon. Je vais. Bah, on va aller vers le village tout de suite. C'est parti. Il faut qu'on aille voir le chef. Chez le vieux sage. Non, c'est pas par là. Donc, on doit bien aller voir le chef du village. Ok. Ça a l'air d'être une aventure qui va être bien. Je la sens. Je la sens bien. Chez Robin, ok. Chez Bernard, ok. Chez Alphonse, what the fuck? Mec, il s'est bien. La forge, chez Arthur. Placer un bloc de construction ici. D'accord. Bon, bah, du coup, je cherche un peu. Pièce d'or, cool. Ah oui, merde, j'avais oublié que. Là, faut pas que tu cours trop parce que. Voilà. Chez Arnaud. Mais what? Où est le chef? Chez l'architecte. Il y en a déjà regardé cette maison là? Chez Constantin. Ok, le problème, le gros. Le problème que j'ai là actuellement, là tout de suite maintenant, c'est que j'ai pas de bouffe. Je fais comment? Est-ce que je peux drop? Okay, cool. La mine. D'accord. Bon, je regarde un peu le village. Hein. Cool. Attendez, je regarde si ça record. Ok. Ça, c'est bon.
Je vais peut-être rapprocher un peu plus mon micro. Ça peut être bien. Je ne trouve pas le chef. Que dois-je faire? Ça doit être. On va tout prendre. J'arrive pas à tout prendre, donc je sais pas pourquoi. Okay, bon, j'ai eu du mal, donc. Hop. Ça va mettre une petite tête aussi au passage. Ah non, on peut pas, on a l'arme. Et oui. Ok, apparemment il n'y a que deux coffres. Cool. Bon, faut qu'on trouve le chef. Parce que voilà. Oui. Là, on est chez soi. Besoin d'aide. Puis-je cliquer pour voir la vidéo astuce. Non, je ne préfère pas. Du coup, ouais, bah. Attendez. F9. Re les amis. Donc, on va regarder donc le village. What the fuck? Bon, ça me pose problème parce que je ne trouve pas la maison du chef. Donc, du coup, ça me pose un peu problème. Un peu chier. Est-ce qu'on peut casser des blocs? Enfin, est-ce qu'on peut casser? Bon, bah du coup, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver le vieux sage. J'aime. Ouais, du coup, on va quand même laisser ouvert. Chez Robin. Et bon, bah on prend un petit peu, on regarde un peu ce qu'ils veulent, on monte, on regarde un peu. Ah ouais, donc en fait ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire c'est qu'on... qu'on regarde un peu dans toutes les maisons. Du coup je vais éviter de trop courir, je suis désolé, je sais que c'est chiant mais... Ah c'est peut-être là le chef. Ok, il commence à... Chef du village, cool. Ça c'est cool ça. Bonjour! Ah merde. Pas fait exprès, désolé. Bienvenue étranger, pourrez-vous me rendre un service? Le forgeron me doit 10 lingots d'or. Apporte-les-moi et je te donnerai en échange une clé pour accéder à la mine. Donc, 10 lingots d'or. Alors attendez. Pourrez-vous rendre un service? Le forgeron me doit 10 lingots d'or. Donc on doit aller chez le forgeron. Ça marche. Là, on doit aller chez le forgeron qui, je crois, est là-bas. On va y aller sans pression. On va se calmer. Ok, on va se calmer tout de suite. Je me casse. Salut. J'ai un petit problème là. Y a pas un lit quelque part? Oh putain, je vais mourir, je vais die, 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 je vais die. Sa mère la grosse chienne, je la prends, je la baise. Ah! Putain, en plus il y a des villageois, c'est chiant. Et donc, je vais aller chez le chef, je vais me réfugier chez lui. Alors, l'enculé. Oh putain. Eh, c'est la merde là! Okay, je vais rentrer chez WAM. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je vois rien du tout. J'ai de la chance là. Ouh!
J'ai de la chance là. Oh là là. Ok. Ah, j'aime bien, j'aime beaucoup la série, c'est cool. Attendez, je voulais voir un truc en fait. Quand j'ai vu que il y avait des trucs dans les fours, etc., je me suis dit, hop, voilà. Ouh, ça c'est cool ça. Oh putain, on a pas mal de bouffe. Ok, donc on va aller chez le forgeron. C'est une quoi ça? Knockback. Bah, je vais plutôt utiliser celle-là d'abord parce que donc on doit aller chez le forgeron qui, je sais, il a un petit peu une maison assez chelou, donc on va aller voir ça directement. J'aime beaucoup le shaders, bon il fait un peu laguer, je suis à 45 FPS, mais bon ça me dérange pas du moment que je suis pas à moins de 30. La forge. Ah non c'est. Ouh, attendez, attendez, attendez! Des bugs, mon truc il avance tout seul. Forgeron. Ah quoi? Ah oui, j'avais complètement oublié de payer le chef, rend l'échelle et descend, les lingots sont là-bas. Cool. Est-ce qu'il y en a assez? Il n'y a que 5 lagos. Bon, dans ce cas, il va falloir que tu mines de l'or pour avoir les 5. Va voir mon voisin Arthur. Il doit bien avoir une pioche à te prêter. Ensuite, reviens me voir. Donc, on aille chez Arthur. Chez Arthur, voilà. Salut Arthur! Comment on va? Ne peut casser que la sandstone et le minerai. Ouh! Gâté là. Ok, qu'est-ce qu'il nous a dit? J'ai le forgeron, tu t'en vas. Si c'est le forgeron, alors c'est bon. Prends la pioche dans le coffre qui est à côté de moi. Et je dois faire quoi? Un quoi? Ah oui, j'ai il y a que là. Bon, dans ce cas, il va falloir que tu mines de l'or pour avoir les 5 lagos manquants. On va voir mon voisin. Et il vient. Il doit bien avoir une pioche à te prêter. Ensuite, reviens me voir. Ah, il faut que j'aille le revenir. Attends, voilà, cette pioche ne peut casser que là. Oui, et prends une fois de plus l'échelle pour redescendre et casse la sandstone pour accéder à une grotte. Donc là, je suppose que il faut que je récupère 5 minerais d'or. Pas mal de. J'ai que 3. J'en ai que 3. Ah là. Cool. Oh putain, la chienne. Oh le bâtard! Oh bâtard! L'enfoiré. Ok, il y a des pièges alors. Cool. Donc, je vais un petit peu aussi stocker un petit peu mon. Attendez, je suis pas allé en bas, je crois. Ah si. Ok, donc on doit maintenant doit aller chez le forgeron pour donner les lingots. Je regarde, je fais juste. Je regarde juste. C'est cool. Donc, il faut que j'aille voir le. J'apprécie. Maintenant que tu peux les faire cuire chez Arnaud afin d'obtenir des lingots. Il faut qu'on aille voir chez Arnaud.
J'ai Alphonse. C'est pas fait chier pour les prénoms. J'ai Bernard. Je pense que cet épisode va être publié sur YouTube le jour même. C'est-à-dire mardi. On va prendre la bouffe qu'on a le plus be moins besoin. J'ai l'architecte. Faut que je trouve Arnaud. Arnaud. Salut l'ami, tu as besoin d'un four? Je dois venir à l'étage. Ça. Pas des coffres quelque part. Bizarre. On va profiter pour ranger l'inventaire donc. On va garder celle-là, donc ça c'est Ban of Arthropod. Je vais garder des potions à côté de moi. Ok, donc je pense qu'il va faire. Je vais faire 20 minutes d'épisode pour chaque épisode. On va terminer cette quête, je pense, et puis on va s'arrêter là. Ok, je vais quand même prendre le charbon au cas où. Ça peut toujours nous être utile. Ah oui, je me suis trompé de pack de texture. J'avais oublié de le changer. Ça doit être celui-là. Ah. Maintenant, tu as... Afin d'obtenir... Alors, on doit retourner chez le forgeron. Où est-il? Il est là-bas. Faudrait que je prenne de la bouffe. Pas prendre de gros trucs tout de suite. La forge. Ah oui, je suis con. Maintenant, il faut que j'aille chez le chef. Parce que là, maintenant, il n'y a plus d'endroit. Je vois que tu as dit lingots, fais une offre avec moi afin que je te donne la clé de la mine. Ok. Maintenant, quête 2. Maintenant que vous avez la clé de la mine, allez là-bas pour voir ce qu'elle cache. Ok, bah on va voir ce qu'elle cache la prochaine fois pour le prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, bah je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de cet épisode. Allez, salut!